Bonjour à tous. Bonjour Elise, bonjour Zoé, bonjour Jade, bonjour Cyriel, bonjour Anselme, bonjour Camille. Alors du coup, je vous avais dit là qu'on referait un petit point du coup sur les infos d'hier, puisque vous avez peut-être regardé les infos et vu que les 4e, 3e pouvaient reprendre à partir du 2 juin. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Alban, bonjour Candice. Donc on n'en sait pas plus pour le moment. Donc vous pouvez reprendre, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc ça voudrait dire que si vous reprenez, il faudrait laisser de la place. Donc il faudrait que les 6e, 5e ne soient pas là, vu qu'il ne peut pas y avoir tout le monde. Donc pour le moment on n'a pas trop d'infos en plus, donc on va attendre un petit peu. Mais voilà, j'avais dit qu'on en reparlerait et que je vous tiendrai informé si jamais vous n'étiez pas informé déjà. Mais bon, c'était un petit peu flou, donc je peux pas trop vous en dire plus. Tout ce qu'on sait, c'est que les conditions d'accueil restent les mêmes. Certains collèges qui n'avaient toujours pas réouvert ont réouvert pour les 6e, 5e. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour Chloé. Donc on va attendre des infos du directeur. Les vacances, de toute façon, ça n'a pas changé. C'est début juillet, là, je sais plus le combien exactement, mais... Mais il y aura des cours jusqu'au début juillet. Et le 2 juin, pour le 2 juin, vous pouvez revenir au collège. Mais le problème, c'est la place qu'il reste de disponible au collège. Parce que je crois qu'il reste 3 salles de classe de disponibles ou quelque chose comme ça, pas plus. Donc 3 salles de classe pour les niveaux 4e, 3e, ça fait pas lourd. En fait, toutes les salles, vous savez peut-être pas hein, d'ailleurs, mais toutes les salles spécialisées, physique, techno, les labos, tout ça c'est fermé. On n'a pas le droit de les utiliser, comme elles doivent être nettoyées de fond en comble à chaque fois. C'est impossible de nettoyer ces salles avec plein de matériel dedans. Pareil pour les salles informatiques, toutes les salles spéciales là, un petit peu là sont fermées. Salles de musique, tout ça c'est fermé. Ah, c'est sûr qu'Antonin, il sait quand il s'arrête, lui. 7 juillet, il s'arrête. Donc oui, c'est ça, dans ce cas-là. Oui, ça me dit quelque chose, donc ça doit être ça. Bonjour Brieux, bonjour Emma. Bon. Du coup, pour aujourd'hui, en attendant d'avoir plus d'infos. Aujourd'hui, donc, on termine le chapitre sur la notion de fonction, ou les notions de fonction. Et du coup, pour ça, donc, on va corriger les exercices 22-23 que vous aviez à faire hier. Vous avez aujourd'hui une petite éval, bienvenue. Vous avez une petite éval à faire aujourd'hui pour vérifier un petit peu ce que vous avez retenu ou pas du chapitre. Et du coup, les cours de physique, techno, etc., c'est dans les salles normales. C'est pour ça que ça prend beaucoup plus de place que d'habitude, parce que normalement, ces cours-là ont lieu dans des salles spéciales, mais là, c'est pas le cas.
Donc non seulement on a moins de salles que d'habitude, mais en plus sur les salles, mais en plus du coup elles sont mobilisées par d'autres matières qui d'habitude ne sont pas dans ces salles-là. Et oui, c'est le dernier live sur les fonctions, oui. Mardi, du coup, on commencera un nouveau chapitre qui est Thalès et les homothéties. Bah tiens, Antonin, tu vas être content d'ailleurs. Donc, mardi, on commence Thalès. Alors, hop, je vous mets l'écran. Et on commence. Donc, point essentiel du cours, hein, toujours, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, en général, c'est dans ce tableau-là. Hein. Vous avez pas mal d'infos ici. Donc, vous aviez donc les exercices 22-23, je zoome un peu histoire que tout le monde puisse voir. Donc, pour chaque fonction, f, g et h, donc elles sont là, déterminer l'image de 3. Non, la reprise, s'il y en a une, encore une fois, c'est toujours 15 par groupe maximum. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est que juste rien que d'avoir les 6e, 5e, ça prend déjà quasiment toutes les salles, le fait qu'il soit divisé. Et encore, c'est... En une semaine, c'est 2 jours un groupe, 2 jours un autre groupe. Donc, ouais, non, c'est pas fait. On attend, on verra. Allez, on regarde ça. Donc, du coup, si on regarde la première fonction ici, donc c'est une fonction qui est égale, donc f de x est égale à 4 sur 5 moins x. Donc ça, c'est l'expression littérale de la fonction f. Et du coup, on vous demande là-dedans f de 3. Ben, pour faire f de 3, il faut remplacer tous les x de l'expression par 3. Donc ici, il y a x, ben, je le remplace par 3. Ici, il y a x, je le remplace par 3. Et ensuite, je fais mon calcul normalement. D'accord ? Donc, quand vous avez une fraction comme ça, la priorité va aux opérations qui sont soit en haut, soit en bas. Donc, du coup, ici, 5 moins 3, ça fait 2. Donc, on a 4 sur 2, donc 2. Donc, on va pouvoir dire que l'image de 3 par la fonction f, c'est 2. Le résultat de f de 3, c'est 2. Alors, ensuite, quand c'est dans un tableau, ben, on cherche du coup l'image de 3, ça veut dire que 3 c'est un antécédent, donc je cherche dans la liste des antécédents le nombre 3. Et je regarde du coup son image, c'est-à-dire le résultat de 3. Donc c'est le 2 qui est ici, et effectivement, on va pouvoir dire que g de 3 est égal à 2, ou l'image de 3 par la fonction g est égal à 2. Ensuite, pour une courbe, donc ça c'est vraiment un exercice complet où vous avez du coup les révisions des trois techniques, on va dire, l'expression littérale, le tableau et la courbe. Donc pour la courbe, quand on cherche l'image de 3, donc on va regarder l'axe des antécédents, c'est celui-ci, l'axe des abscisses. Et donc on cherche l'image de 3, donc j'avance jusqu'à 3 sur mon axe, c'est ici, hein, le 3 de l'axe. Et je vais regarder où est le point de ma courbe. Le point de ma courbe, il descend de 2, donc l'image de 3 par la fonction f, c'est la croix qui est là, donc c'est moins 2. Voilà, avec ça, vous avez du coup les trois techniques à savoir pour une expression littérale, pour un tableau et pour une courbe. Et à côté de ça, donc vous aviez donc comme dernier exercice à faire, traduire chacune des phrases suivantes par l'expression d'une fonction de la forme, alors il manquerait le début, mais x qui du coup la fonction f qui est x associe, voilà. Donc qui est x associe, et puis ben là on met l'expression littérale qui va avec.
Donc il fallait transformer ces phrases-là en expressions littérales. Alors, qu'est-ce que ça donne ? La phrase A, donc l'image de X, c'est la somme du double de X et de 4. Donc, on fait une somme, donc une addition. De quoi et de quoi ? C'est la somme du double de X. Donc j'ai le double de X d'un côté, donc 2X. Et la somme, du coup, de 4. Donc 4 de l'autre côté, de mon signe plus. Alors, donc 2X plus 4 à la fin. Alors ensuite, l'image de X est égale à l'inverse du carré de X. Donc l'inverse, c'est justement 1 sur quelque chose. Et c'est 1 sur quoi ? C'est l'inverse du carré de x. Donc le carré de x, c'est x au carré. Je fais l'inverse de x au carré, ça fait 1 sur x au carré. Ensuite, l'image de x est égale à la différence. Donc on a une différence ici, donc on met un signe moins au milieu. Et du coup, c'est toujours la différence de deux choses. Différence de ça et de ça. Donc la différence de quoi et quoi ? Du coup, du premier côté du signe égal, on va mettre x, c'est la différence de x, donc du premier côté, je mets x, et de l'autre côté, c'est la différence de x et du cube de x. Donc du coup, je mets x au cube de l'autre côté de mon signe moins. Alors non, Chloé, du coup, pour la A, 2 facteurs de x plus 4, ça ne fonctionnait pas. Parce que 2 facteurs de x plus 4, c'est le double de la somme de x et de 4. Pour la B, racine carrée... Ah, l'inverse du carré de x, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai souvent utilisé ce vocabulaire-là quand je disais l'opération inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, l'opération inverse du carré, c'est racine carrée. L'opération inverse du plus, c'est moins. L'opération inverse de fois, c'est diviser. Mais c'est l'opération inverse. Alors que là, on parle de inverse comme on parle d'opposé. Je vais vous ressortir. Je vous avais dit d'aller voir la vidéo des quatrièmes. Je vais vous remettre le cours de quatrième. Je dois l'avoir quelque part par là. Sur inverse et opposé, justement. Tac, 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 tac. Cours. Voilà. Ça va être là. Donc, il y a l'opération inverse. Donc, l'opération inverse de au carré, c'est racine carrée. Mais l'inverse d'un nombre, c'est égal à ça. C'est-à-dire que l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. L'inverse de 6, c'est 1 sur 6. L'inverse de 2 tiers, on inverse les deux, ça fait 3 sur 2. D'accord ? Donc ça, c'est l'inverse d'un nombre. Du coup, l'inverse de x au carré, là on aurait par exemple x au carré, l'inverse de x au carré ce serait 1 sur x au carré. D'accord ? Et donc ce que je vous disais l'autre jour, c'est que il fallait pas confondre inverse et opposé. C'est-à-dire que l'opposé d'un nombre, par exemple l'opposé de 3, c'est moins 3. D'accord ? Ça, c'est deux nombres qui sont opposés l'un à l'autre. Alors que 3 et 1 tiers, c'est des nombres qui sont inverses. Et la définition, en fait, d'un nombre inverse, c'est que si je fais 3 fois 1 tiers, ça me fera 1. Alors, c'est la définition de base d'un nombre inverse. Par exemple, 5 fois 0,02, ça fait 1. Donc 0,2, c'est l'inverse de 5. Ça ne sert à rien. Bienvenue. Donc voilà, donc là, l'inverse du carré, c'est du coup 1 sur x au carré.
Et du coup, je reprends un petit peu celui-ci. Donc, c'est la somme de quoi et quoi? Bah, c'est la somme du double de x et de 4. D'accord? Donc, d'un côté de ta somme, tu mets le double de x. De l'autre côté, tu mets 4. C'est pour ça que c'est 2x plus 4. Je sais que vous avez du mal à transformer ces phrases-là en expression littérale. Je m'attendais bien à ce que ce soit pas très simple. Donc du coup, ça c'est pour les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Et puis je vous avais dit que si vous vouliez, vous pouviez faire... Alors ça peut être ce week-end hein, aussi, hein, y a pas de souci. Mais vous pouviez faire donc l'exercice 24, je vous avais conseillé éventuellement de le faire en supplémentaire. Il y avait aussi les exercices 27-28 qui pouvaient être intéressants à faire, qui sont un petit peu plus poussés. Et vous aviez l'exercice 29. Donc vous avez les corrections de tous ces exercices-là. Mais si vous voulez les faire en plus et qu'il vous reste des questions, bah, vous n'hésitez pas à vous envoyer un message et j'essaierai de vous aider. Et puis s'il y a des questions maintenant, je peux faire aussi donner 2-3 réponses. Et sinon, donc pour aujourd'hui, bah, vous avez dans devoir un petit questionnaire qui est à remplir pour faire un petit peu le point justement sur tout ce chapitre-là. Donc on vous tiendra au courant du coup pour la reprise des cours de 4e, 3e. Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce qu'il va y avoir une alternance du coup entre les 6e, 5e? Est-ce que voilà, il va falloir partager la fin de l'année entre 6e, 5e, 4e, 3e? Tout le monde dans les 3e ne pourra pas être au collège en même temps. Bah, tout le monde de toute façon au collège pourra pas être au collège en même temps, donc qui est-ce qui aura la priorité? Voilà, il y a encore plein de questions à se poser. Je suppose que le directeur et le conseil de direction doivent turbiner pour essayer de trouver des solutions. Mais voilà, on vous tiendra au courant dès qu'on saura. A priori, oui, on peut penser que les 6e, 5e sont un peu moins autonomes que vous. Après, je veux pas vous vexer, mais vous êtes 3 classes de 3e et vous êtes 22 sur le live. Donc, j'ai plus de monde sur mes 2 classes de 4e que sur mes 3 classes de 3e. Donc même si les plus jeunes sont censés être moins autonomes, ils sont pas forcément moins au travail. Bon oui. Hop, je coupe ça. J'ai que 2 classes en 4e, mais ils sont plus nombreux que vous. Vous êtes 90 hein, normalement dans mes classes. Sachant qu'en plus, il y a des personnes que j'ai même pas en cours et qui sont là. Bah, tant pis hein, pour eux. Hein. Mais c'est noté sur les bulletins hein, qui vient ou pas, qui participe ou pas. Donc voilà, hein, on sait bien depuis le début, hein, on a assez réclamé comme ça. Puis il n'y a pas que ça, hein. Y a tout le travail sur Teams, les devoirs qu'on vous demande de rendre, etc. Hein. Et tant pis. Non, lundi il n'y aura pas de live, on reprend du coup mardi. Prochain live mardi à 11h. Et pour ça, vous avez le temps de faire 2-3 exercices supplémentaires si vous voulez.
Ah bah le 2 juin en cours, je sais pas. Va falloir attendre le directeur, ça se trouve... Non, Antonin, ce qu'a dit le ministre, c'est que à partir du 2 juin, les 4e, 3e peuvent reprendre. Et que à partir du 2 juin, tous les collèges, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas réouvert, tous les collèges sont censés réouvrir. À partir du 2 juin. Alors que jusqu'ici, les 4e, 3e n'étaient pas censés être au collège. Là, à partir du 2 juin, les 4e, 3e peuvent retourner au collège. Mais la priorité, c'est les conditions d'accueil. C'est-à-dire qu'on est toujours limité à 15 par classe. Donc du coup, la capacité d'accueil du collège, ben, c'est pas du tout 1000 élèves, c'est 200, enfin, je sais pas combien, mais... Et tout le monde ne peut pas être au collège en même temps. Mais les 4e, 3e peuvent y retourner. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Et oui, du coup, ça voudra dire les masques. Pour nous, les profs, c'est les masques et les visières. Ça veut dire distanciation sociale à 1 mètre, ça veut dire sens de circulation dans les couloirs, ça veut dire nettoyage de mains... Ça ne sert à rien. Bienvenue. Nettoyage de mains avant les cours, après les cours... Voilà, c'est dans le protocole sanitaire, quoi. Ça ne sert à rien. Donc c'est un petit peu particulier, quoi. Alors, vous pouvez y retourner si vos parents veulent et s'il reste de la place. C'est-à-dire que la priorité, c'est comme d'habitude, c'est au personnel mobilisé. Donc le personnel mobilisé, c'est ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les soignants, etc. Les profs aussi maintenant. Donc c'est priorité aux enfants des personnels qui sont mobilisés, considérés comme mobilisés. Et ensuite, bah une fois que tout cela sont déjà mis, bah, il faut faire un roulement entre tous ceux qui veulent reprendre en fonction de la place qu'il y a disponible. C'est ce qui se passe actuellement, par exemple, pour les 6e, 5e. C'est-à-dire qu'il y a les 6e, 5e des aides-soignants, enfin des soignants qui sont pris de façon prioritaire et qui sont là toute la semaine. Puis il y a des 6e, 5e qui sont là une partie de la semaine. Et vous, vous n'aviez pas le droit d'être là. Bah, du coup, à partir de maintenant, voilà, il va y avoir pareil, du coup, une partie qui va être prise, qui pourrait être prise en 4e, 3e. Et ça veut dire que si on prend des 4e, 3e au collège, et qu'on garde les mêmes critères de protection, etc., bah ça veut dire qu'il faut dire aux 6e, 5e de rester encore chez eux. Les 6e, 5e, c'est partagé. Certains sont contents, certains avaient besoin. D'autres ne sont pas revenus en cours. Hein. Certains 6e, 5e, on les a pas vus encore.
Moi, j'en ai pas, donc je sais pas te dire exactement. Mais des retours que j'en ai eus, c'est un peu partagé. Certains sont venus deux jours et puis en fait, ils sont pas revenus après parce que c'était compliqué, parce que ils ont réalisé que c'était peut-être pas indispensable et qu'ils pouvaient se débrouiller à la maison, je sais pas. Certains n'ont pas le choix hein, non plus. Hein. Y a des parents qui peuvent garder les enfants ou faire garder les enfants, il y a des parents qui ne peuvent pas. C'est pas simple. Donc là, en tout cas, pour le moment, la priorité était au 6e, 5e. Là, maintenant... vous avez le droit de dire que vous voulez revenir. Avant, vous n'aviez pas le droit de le dire, en gros. Là, vous avez le droit de dire que vous voulez revenir, mais par contre, ça ne veut pas dire que le collège va pouvoir vous accueillir. C'est ça le truc. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. C'est un peu ça le problème. Il y a des collèges où ça ne va pas poser de soucis parce qu'ils avaient... plein de places, mais vous savez déjà que, enfin vous savez peut-être ou pas, mais au collège, toutes les salles sont prises en permanence, c'est un vrai casse-tête à gérer, parce qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes nombreux au collège du Sacré-Cœur. Mais voilà, au moins vous allez pouvoir voir un petit peu ce week-end, en discuter avec vos parents, est-ce que vous pensez reprendre, pas reprendre, est-ce que c'est important pour vous ou pas. D'ici là, peut-être que le directeur aura envoyé un message, peut-être qu'il attend d'avoir plus d'infos, parce que les infos étaient quand même assez floues. Hein. Donc peut-être qu'il attend d'avoir des infos un petit peu plus précises pour envoyer un message aux parents. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il finira par envoyer un message aux parents, c'est sûr. Parce que l'info, par courrier, je sais pas. Par Teams... On verra. C'est lui qui décide de toute façon. A priori, oui. Après, je te dis ça, mais moi, j'en sais rien, Alban. Hein. Mais je sais que ça s'est arrivé. En tout cas, tant qu'il n'y avait que les 6e, 5e, c'était possible. Après, si tout le monde fait ça, ça va être ingérable pour la vie scolaire. Si tout le monde dit, moi, je viens deux jours et puis finalement, je verrai bien, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que si vous avez plutôt... si vous hésitez, essayez peut-être de laisser la place à ceux qui n'ont vraiment pas le choix, par exemple. Dites-vous bien qu'en fait, si vous êtes pris pour venir en cours, comme tout le monde ne peut pas venir, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas venir. Ah bah oui, de toute façon, pour rendre les manuels, mais... passer un jour au collège pendant une demi-heure pour rendre des manuels, c'est pas pareil que de rester toute une journée enfermé à 15 dans une salle de classe avec des mesures de précaution, etc. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez repasser au collège, oui. Et la question pour vous les troisièmes, c'est aussi votre dernier jour. C'est-à-dire que normalement, vous avez un dernier jour de collège. Mais du coup, dans ce contexte-là, est-ce qu'il va y en avoir un ? Et alors, s'il y en a un, il faudra que ça se fasse avec les mesures de confinement, donc à 1 mètre les uns des autres. Pas de contact physique. Les masques à partir du moment où les distances sont pas forcément respectées. Donc ce sera pas un dernier jour comme vous avez vu peut-être pour les anciens troisièmes où ça peut être la fête, etc. Ce sera pas pareil.
Ah bon? Vous n'avez pas eu de dernier jour l'année dernière non plus? Ah ben on peut pas ne pas avoir à passer son brevet et en même temps avoir des derniers jours. Au bout d'un moment, faut quand même que vous reconnaissiez le positif. Vous avez pas à passer de brevet. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, oui. Il pleuvait pour l'acrobranche. D'ailleurs, c'était un casse-tête pour vous prévoir une dernière journée. Ils dépendent pas trop de la météo. Bienvenue. Bon, en tout cas, je vous tiendrai informé si j'ai des nouvelles informations mardi. De toute façon, vous recevrez un message officiel. Hein. Mais voilà. Pour le moment, de toute façon, on continue à distance. On part du principe que voilà, on fait tout ce qu'on peut à distance. Il faut que, en gros, le retour au collège ce soit que pour ceux qui n'ont vraiment pas le choix. La priorité, de toute façon, ça va à eux. C'est ceux qui n'ont vraiment pas le choix. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bon week-end ensuite. Et je vous dis du coup à mardi. Bon week-end à vous, au revoir. Merci à tous.